Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Heart of Iron 4, et puis vraiment dans notre très fou avec l'Union Soviétique. Donc, pour petit rappel, nous avions commencé la guerre avec la Turquie, vu que l'Allemagne a quelques difficultés avec la France. Étrangement, ils ont déjà percé au nord, bah nous on en profite pour s'occuper de la Turquie. Et j'envisage sincèrement d'envahir la Chine. Je vais même le faire. Dès que je peux, je vais... Parfait. Je vais vous expliquer. J'ai passé un moment à réfléchir dessus quand même. C'est pas quelque chose que j'ai choisi à la va-vite quand même. J'envisage d'envahir la Chine pour rapidement mettre fin à la guerre sino-japonaise. Enfin, la guerre du Japon et de la Chine. Comme ça, je pourrais. Cette guerre-là sera finie. Et moi, je pourrais me concentrer en fait sur d'autres guerres qui m'intéressent un peu plus. Et surtout, j'aurai plus de front contre le Japon. Normalement, ça se passe bien. Voilà. Mais c'est aussi pour leur donner un petit coup de main, vu que je vois qu'ils ont toujours un peu de mal, quoi. Mais bon, on verra bien. Alors, à ce niveau-là, je pourrais tenter de déclarer la guerre à la place de l'adversaire. Mais bon, nous, notre but, c'est d'attendre qu'ils nous lancent l'assaut. Et on va continuer dans nos recherches. Donc, femme dans l'avion, nous devons autoriser la camarade Raskova, notre héroïne aviatrice, à former des régiments d'aviation féminine au sein du groupe du 0122. D'accord. Et femme dans l'aviation, bien évidemment, oui, je suis pour. Et on a fini en plus ce moyen de classe. On pourrait se déplacer industrie vers Goural. Alors, je vous explique pourquoi j'hésite à le faire. Je perds pas de... Il y a... je déplace alors... 6... 6, 2... Je gagne, attendez... Non, là je perds rien en fait en industrie. Et je gagne des emplacements d'industrie devons empêcher cette raide d'Hitlerin de s'emparer de nos principales usines de l'Ouest de l'URSS au prix d'énormes efforts et de sacrés villes. Nous allons pouvoir rapidement déplacer nos principaux équipements lourds et installations vers Chabli et d'autres sites de l'Oural. Alors je vais le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vérifierai après. Mais normalement, si j'ai bien compris, en gros, j'ai une partie de mon industrie qui va être dépassée, mais je vais pas perdre une zone de construction ici, mais je vais en gagner ailleurs. Vous faites attention. On va, je vais vous remontrer. J'ai jamais fait encore. Ici, c'est écrit ajoute 8 emplacements de construction, ajoute 8 emplacements de construction. Mais à aucun moment, c'est écrit ils suppriment des usines, mais ils suppriment pas les emplacements de construction. Donc, techniquement, ça veut dire je pourrais faire encore plus d'industrie dans ces lieux-là. Donc, je trouve que c'est rentable, quoi, de le faire. Enfin, si j'ai bien compris, en tout cas. Après, si jamais j'ai compris de travers. J'ai compris de travers, mais bon, normalement j'ai dû bien comprendre et pour moi je trouve que c'est rentable. Donc nous sommes en 41. Alors, en 41, bientôt 42, donc on va lancer cette recherche là. Donc on va se préparer à la guerre. Ce qui me surprend toujours, c'est qu'ils ont toujours un peu de mal avec la France, mais je pense que c'est simplement ce que j'ai donné beaucoup d'industrie à la France, je vous rappelle, avec les modes que j'ai fait. C'est peut-être pour ça qu'ils peinent autant l'IA à prendre ce territoire-là. Alors, nous, maintenant, on va s'occuper de la Turquie, qui a honnêtement une petite priorité personnelle. Hein, on va essayer de les zigouiller. Ah, j'ai déjà mis toute mon aviation en place aussi. Ça, c'est beau. J'ai ultra bien préparé quand même la guerre. Et ici, on va remettre encore des chasseurs. Hein.
remettre Soga, bah, je sais pas s'il me reste encore des chasseurs de dernier niveau, donc. Voilà. Donc ici à Moscou, normalement, je devrais pas perdre d'industrie, si j'ai bien compris le truc. Après, si j'ai compris de travers, j'aurais rien perdu, j'aurais juste décalé mon industrie, mais bon. Ici, on va juste réorganiser mon assaut, parce que je peine à avancer, ça, on va pas le nier. Remise en cause de la souveraineté chinoise, eh oui. Ça peut surprendre, mais non, ça... Vous voyez ici, ils peinent beaucoup trop les Japonais, j'ai vraiment envie de leur donner un coup de main, quoi, pour qu'ils finissent cette guerre. Excavation terminée, donc là on avance bien. 42, or, toutes les technologies de 42, je peux commencer à rechercher. Le nucléaire c'est 43, donc on va pas lancer. Donc 42, les nouvelles armes. Je vais rechercher les nouvelles armes en priorité. Alors juste par contre, je m'excuse en fait, ça fait un moment que j'ai pas rejoué avec cette faction. J'en importe pas, ici j'en importe, donc on va ramener à ce qu'il faut. Quel caoutchouc je produis pas. Caoutchouc, bah il y aurait bien le siam. On importait pas mal. Bon là on va planifier juste l'offensive. Ouais, on va relancer offensive. Or, je sais que mes armées sont pas encore en position, mais ils viennent de... Faut se dire, ils viennent de lancer un assaut, donc ils se sont désorganisés en lançant l'assaut. Donc moi, il sera plus simple de pouvoir passer. Il suffit que je passe à un endroit, c'est bon. Et là, bon, comme je vous rappelle, je pars d'une construction d'un grand nombre de Katyusha. Katyusha... Ouais, tu reçois percer ici, c'est parfait. Alors je pars sur un grand nombre de Katyusha, c'est tout à fait normal en fait. Parce que j'ai envie de jouer un peu roleplay quand même les soviétiques, et on sait qu'ils jouent beaucoup artillerie. Donc mes divisions, je risque en fait de les modifier, qui rajouter de l'artillerie, de rajouter de des Katyusha dedans en fait. Et en tout cas, ils tiennent bien la Turquie, c'est intéressant, c'est pas une guerre facile. Bon, faut dire aussi que j'ai que 24 divisions contre bien plus. En tout cas, ils pourraient peut-être bien passer là-haut. On va peut-être mobiliser. Voilà, Kintai fini, voilà. Alors, à Chine, reçoit diplomatie étranger, améliore ses relations avec. D'accord. Bon, bah, on va déclarer la guerre tout de suite. On connaît le souci qu'il y a avec, donc là c'est Konev, je crois. Zhukov, ok, bah Zhukov va lancer directement offensive. Et en même temps, il va être dans le désert, donc je crois que dans le désert il était déjà bien amélioré. Non, pas dans le désert. Ouais, si, Renard désert 55%, donc j'aurais le choper normalement. En tout cas, avec le Japon, je suis en train toujours de préparer ce que je vous expliquais avec le Japon. Hein. Ça se prépare plutôt bien d'ailleurs, ma série avec le Japon, mais ça arrivera bien plus tard, hein. Ça arrivera pas... On va déjà finir celle-ci. Mais le Japon en tout cas, je fais des tests, je m'entraîne, etc. Et honnêtement, c'est tellement agréable de jouer avec. C'est... Par contre, j'ai un gros problème là, c'est... J'ai un gros problème là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais sérieusement, pourquoi je peux pas... Attendez, c'est quoi ce...
Excusez-moi. Alors, je viens de découvrir un bug. Alors. Alors là, faut qu'on m'explique un truc. Pourquoi je. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux régions là, quoi? C'est la même région normalement. Mais c'est quoi cette histoire? Là par contre, on assiste à un sacré bug. Ah! Je suis en paix avec eux, je sais pas comment. Je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. C'est juste parce qu'on est en paix avec eux. Voilà. Non mais... Avec la Chine. C'est juste parce qu'on est en guerre contre la Chine, c'est pour ça en fait. Ici je pourrais rechercher, mais on va éviter de faire tot tech rush quand même. On a des trucs en 42 à faire. Il y a une nouvelle artillerie. Non. Non, je vais rester au niveau de ma ligne défensive monor. Ouais, c'est pour ça en fait. C'est juste parce que j'ai déclaré la guerre à la Chine. Voilà pourquoi ça. C'est parti en n'importe quoi. C'est pour ça que c'est parti en sucette. Je crois que Konev, c'est lui qui a toutes mes divisions de montagne. Oui, c'est ça, c'est lui qui les a. D'accord, très bien. Changer avec l'URSS, d'accord. Étrange, mais bon, après, c'est son choix. Hein. Ah, je peux pas attaquer. Ah oui, je peux pas attaquer depuis la Mongolie vu que la Mongolie est neutre avec. J'ai oublié ce détail. Donc là, je vais juste préparer mon armée. Je lancerai vraiment un assaut quand elle sera bien préparée. Et au pire, je peux même préparer un débarquement amphibie quoi maintenant. Comme ça, on finira assez vite. Bon, on avisera. Voilà, ça c'est intéressant. Bon, on a deux fronts militaires. Voilà. Appeler à Mongolie, mais je n'ai aucune unité de l'appeler. Donc voilà, niveau ressources, donc c'est le caoutchouc qui va manquer du fait que je fais plein de katouchas, ça me surprend pas en fait. Et là, mon armée, je crois qu'elle est presque. Non, il y a celle-ci qui est pas prête encore. Elle est toujours en train de se déplacer d'ailleurs. Et avantage en fait, c'est surtout que ça va facilement me permettre de. Ça va me permettre de récupérer des terres à l'ouest et vraiment de me préparer un grand front avec le Japon et pas uniquement un front au niveau de du Japon-Mongolie en fait. De la Mandchourie de manière générale. Putain, mais toujours en train. Il y a toujours des unités en train de se déplacer, c'est ça qui me rend fou en fait. Vu qu'ils attaquent, ils vont toujours dépasser des unités en gros. Sans sa ligne de défense, donc elle va jamais être prêt. Non. Ouais, une fois qu'ils arriveront, déjà, je pense qu'ils concentrent beaucoup trop de force ici, mais une fois qu'ils arriveront à percer, je pense que là ça sera bon quoi. Enfin, j'espère pour eux, parce que sinon ils sont mal barrés pour gagner cette guerre. Hein. Armes légères, j'ai toujours pas remplacé mes armes légères. T'es mangé d'infanterie. Je suis un peu surpris quand même. Enfin bon. Or, le Japon, j'ai trouvé comment faire la guerre assez facilement et je suis en train de. Enfin, je sais que je parle de.
une future partie, mais voilà, je suis vraiment en train de bien préparer, donc je suis... Ça devrait le faire et je suis plutôt content, quoi. Je fais beaucoup de tests, je suis déjà à ma 30 partie de tests. D'accord, des caragères à Suède. L'orage, je n'ai toujours pas fini en France, mais des caragères à Suède. Intelligent, ça, mais bon. Enfin bon, au moins nous on a une guerre qui se passe bien, c'est la guerre ici, la guerre ben en... Cette armée là, je vais mettre un commando au pif, ouais, maréchal là. Il m'a préparé un débarquement amphibie, mais ici. On va déplacer mon industrie vers Goural. Bon, élimination des partisans, vu que c'est un des seuls trucs qui reste à faire rapidement, parce qu'après c'est politique anticapitaliste, donc j'aimerais quand même éviter de trop énerver, quoi. Faut éviter d'énerver les capitalistes. Donc voilà, normalement, si j'ai bien fait mon compte, Moscou doit encore avoir... Voilà, j'ai gardé mes emplacements d'industrie. Et à un endroit, j'ai dû gagner plein d'industries dans Goural. Ici. Ouais, ici par exemple, ouais, Magnus. Donc voilà. En gros, c'était ultra rentable pour moi de faire ça. Parce que j'ai gagné. En gros, vous gagnez l'emplacement industriel dans l'histoire, donc c'est ultra rentable. Parce que vous perdez pas les emplacements qu'il y a de base dans votre ville, donc enfin moi je vois ça d'un manière ultra bénéfique, quoi. Donc ici, ben, dans du désert ça avance, combattant les collines. Normalement quand vous prenez Chongqing, c'est bon, quoi. D'accord. Ah bah pas mal, bah, ils ont fait une poche et la poche là normalement elle devrait être rapidement. Bon, c'est quand même une Maginot, mais... Pas à peine. J'ai aucune utilité de vous demander de rentrer en guerre avec moi, donc... Bah, j'ai que des 44 MK1, quoi. Vous imaginez quand même l'avance technologique que j'ai sur d'autres adversaires. Aucun modèle n'utilise de lance-roquettes motorisées. Ah oui, char léger. J'en ai plus de variantes qui utilisent. Je suis bête. J'ai totalement. Caoutchouc. Ah bah, un petit peu oublié. Non, le bon point, au moins, c'est que Rovoski va s'entraîner au moins avec la campagne de Chine. Et Zhukov va continuer aussi à s'améliorer avec la campagne de Chine. Donc ça, c'est un bon point. Au niveau ben, du front turc, Konev, ben, c'est un peu son vrai baptême du feu, quoi, Konev. Il a déjà dû faire la campagne d'Iran, je crois. C'est peut-être lui qui a fait la campagne d'Iran. Ah bon, ouais, il a fait la campagne d'Iran. Bon, ça va être assez long, je pense, à avancer, mais ça avance, quoi, d'une certaine manière. J'ai oublié de les affecter à ça. Opération sur front étendu. Donc là, on va continuer là-dedans. Ah, il y en a peut-être trop de divisions. Non, je vais vraiment en affecter aucune. Une seule, je peux pas. D'accord, je peux pas. Donc, je comprends rien à cette histoire. Oula, mais il prépare vraiment l'invasion de la Russie ou quoi là?
Voilà, ça se passe bien. Parfait ici. De toute façon, la Chine est sur le point de capituler, donc d'une certaine manière, c'est bon quoi. Ça va assez vite. Ouais, bon point, c'est que le bon point, c'est que je vais me tailler. Ouais, ils sont quand même bien repoussés, quoi. Attends, je vois pas pourquoi, comment ça se fait. Je vois pas comment ils font pour en fait être repoussés. C'est tellement simple cette campagne, je trouve. Enfin, la Chine, je trouve. Même avec le Japon, je trouve que c'est assez simple de le prendre. Bon, j'ai dû faire plein d'expérimentations pour trouver la bonne technique, mais je l'ai trouvé la technique au final. Et sans, le pire, c'est que sans même avoir modé le truc. J'ai quand même un peu modé pour certains points qui me dérangeaient dans le jeu, mais... Surtout au niveau naval, j'ai constaté que le Japon n'a pas assez de docks en début de partie. Bon, après, bon... L'avantage, c'est ce que j'ai modifié, c'est aussi un handicap en même temps. C'est ça que j'aime bien. C'est que j'ai pas modifié à telle manière que ça soit vraiment un avantage. Ça sert à rien. Ça sert à rien, tu peux rentrer ici. Ouais, ils sont... Enfin bon, la campagne de Chine devrait très bien se passer, même de manière très rapide, quoi. Il s'est pris déjà un niveau. Zhukov. Je crois qu'il est au niveau 6 au début de la campagne. Ouais, je crois qu'il est au niveau 6 au début, donc il est passé déjà 7. D'une certaine manière, c'est déjà une victoire, quoi. Peluche débarquement. Parfait, je vais faire. Je pense que c'est pour. Je pense capacité de débarquement, c'est débarquement total de toutes nos armées comprises. Je pense, après c'est qu'une extrapolation, mais ça pourrait expliquer certaines choses. Donc ici, priorité la reconnaissance, c'est ce qui donne le plus de bonus. D'après moi, enfin c'est ce que je trouve qui donne le plus de bonus. De plus. Ici normalement 8 ça devrait aller. Ah non, je peux mettre tout ça. Parfait. Après il y a peut-être toutes les armées au sud en fait, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi il est autant repoussé le Japon. Mais voilà, c'est toujours ça le problème avec l'IA, c'est qu'elle se fait toujours repousser. Au bout d'un moment, c'est frustrant, quoi. T'as l'impression, en fait, qu'elle sert à rien, l'IA. En difficile, ça changera rien à l'intelligence de l'IA, étant donné qu'en difficile, vous allez juste vous router des malus à vous-même. Vous n'allez pas router des... Voilà, bon, en tout cas, c'est bien, les Allemands continuent à avancer en France. J'aimerais bien qu'ils prennent la France, en fait, les Allemands. Comme ça, j'aurais vraiment une vraie guerre contre le Reich, quoi. En plus, je pourrais attaquer par le front bulgare avec l'armée du Caucase. Ce qui est... Pour moi, je trouve que c'est un excellent point, quoi, de pouvoir attaquer par là. Bon, maintenant, vous comprenez... Mes divisions blindées sont de toute façon toujours, toujours réalisées de cette manière-là. Me demandez pas de changer ce que je changerai pas, parce que pour moi c'est comme ça que je fais une division blindée. Bon, ça sera de l'infanterie mécanisée à la fin, mais voilà. J'aurais manqué de chars normalement. Ouais, il manque quelques chars, mais c'est normal. Voilà, là vous voyez maintenant mes vraies divisions blindées une fois qu'elles sont terminées. Comment elles sont. L'artillerie a été recherchée,
42. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en 42 d'intéressant, quoi? Ça. Et j'ai ma petite idée aussi pourquoi ils se font repousser. Le Japon, on a dit, il doit avoir les alliés qui doivent aussi intervenir sur ce front-là. En fait, c'est tout ça l'ironie, c'est qu'ils se font repousser en fait pas à cause des Chinois, mais à cause des alliés. Voilà. Donc nous, on fonce sur la République Populaire de Chine. Après, bon. Après, je vais faire ça, diplomatie anticapitaliste. Voilà, suffit qu'ils arrivent à prendre Paris, je pense que la France tombera tout de suite après, quoi. Par contre, en force. Ils sont peut-être plus sur la défensive qu'offensive au début. Bon, en tout cas, campagne de Chine se passe bien, campagne de Turquie se passe bien, parce qu'on a quand même avancé par rapport à Nicéa, même si c'est compliqué, qu'ils ont énormément de divisions. Ben. Ils ont peut-être pas plus. Ils ont plus de troupes que moi, c'est sûr. Après, j'ai de l'avantage, j'ai beaucoup de l'avantage au niveau du matériel que j'utilise par rapport à eux. Oh parfait, ouais, vas-y, viens avancer. Il y a quand même quelques petites poches chinoises qui risquent d'être compliquées. Mais bon, ça avance. Même les blindés en montagne, ça avance. Pour vous dire. Le désert, je crois que j'ai traversé le désert. Le désert, il n'y a pas beaucoup de désert quand même, il est là-haut. Non, bah, je serais pas un renard du désert. Je ne serais pas un romègue. Voilà, on attaque ici. Voilà, l'avantage, c'est si j'arrive à maintenir cette poche, ça emprisonnera cette division-là et je pourrais les éliminer, quoi. On arrête le mouvement. Alors ici, bon, bah, ça va prendre le temps de finir cette bataille. Turquie, ça avance. Waouh, mais ma chasse, j'ai déployé ma chasse, non? Ouais, ils font un sacré boulot. Hein. Après, je vais largement être en supériorité par rapport à eux. Donc on va s'arrêter là. Donc la campagne d'invasion soviétique continue et marche plutôt bien, on doit dire. Sur tous les fronts en attaque, ça avance. La Chine, on va peut-être pouvoir récupérer quelques provinces qui seraient intéressantes, en tout cas, pour avoir plus de lignes de front contre le Japon. Et en Turquie, ça continue d'avancer. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode dans ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, ça porte bien. Et à tout le monde.